Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Batman Arkham Knight sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés après avoir fini, continué la quête de Ligma, mais il y a eu un problème et j'ai dû supprimer une vidéo d'enregistrement. C'était que des quêtes de Ligma, donc c'était pas la quête principale. Donc on va abandonner la quête de Ligma en vidéo, je la ferai hors vidéo, et on va continuer la quête principale. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la fin parce que moi oui. Allons-y, continuons la quête. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de son comme dans la vidéo que j'ai supprimée. Hein. Ce serait vraiment dommage. Allez. Ok, ça c'est encore un truc annexe que je ferai en vidéo. Je pense qu'en fait toutes les quêtes annexes je vais les faire hors vidéo. What? Ok. Et l'équipe principale, bien entendu je les ferai en vidéo. Hein. Le chevalier d'Arkham a fait une embardée et s'est écrasé. C'est moi de gêner, je suis obligé d'aller à pied. Alors. La voiture est vide. Le chevalier d'Arkham a dû emporter Oracle ailleurs. Je devrais inspecter le véhicule de plus près. Ah, les textures qui cherchent pas assez, c'est moche. La voiture est sortie de la route alors qu'il n'y avait personne. Pourquoi? On dirait que le conducteur ne portait pas sa ceinture. Je devrais trouver le corps. Trace de gaz lacrymogène sur la joue droite du conducteur. Oracle devait être sur le siège passager quand elle a provoqué l'accident. Astucieux. Je devrais examiner l'endroit où elle était assise. Durant l'accident. Si j'arrive à trouver l'endroit où elle a atterri, je pourrais comprendre ce qui s'est passé. Alors, la porte, c'est où elle est? Vu la puissance, elle doit être sur le quai. C'est ça. Les charnières ont été complètement arrachées. La porte a dû être ouverte avant l'arrache. Oracle est sorti. Il faut que j'examine la reconstitution pour déterminer l'endroit où elle a atterri. Ok. Donc allons-y. Hein. Du véhicule avant l'accident. Oracle s'est arrêté ici. Quelqu'un lui a tiré dessus. Je devrais analyser le point d'impact pour des preuves balistiques. Le chevalier d'Arkham. Le calibre correspond à l'arme de poing du chevalier d'Arkham. La trajectoire et la profondeur de l'impact désignent un tireur de sa taille. À cette distance, il ne pouvait pas manquer sa cible. Un tir d'avertissement. Ok. Quelque chose m'échappe. Oracle savait qu'elle ne pourrait pas fuir. Elle n'a pas provoqué cet accident pour rien. Elle a dû laisser un indice en rampant hors du véhicule.
Voyons voir. Ici. Tada. Monsieur Wayne. Lucius, Oracle m'a laissé ce brouilleur sur le lieu de l'accident. Décryptez les données, que je puisse localiser le chevalier d'Arkham. C'est plus dans les cordes de Mademoiselle Gordon. Je vais faire de mon mieux, mais ça prendra un moment. Je vous retrouve à la tour Wayne quand vous serez prêt. Alfred, du nouveau sur les criminels les plus recherchés? Un instant, monsieur. Tenez, ces deux-là viennent d'arriver. Une mystérieuse silhouette masquée a été repérée sur un toit de Grand Avenue. Il est à noter qu'elle se tient près d'un bat symbole en feu. Monsieur, il pourrait être judicieux d'établir s'il s'agit d'un allié ou d'un ennemi. De nouveaux rapports signalent également un incendie à la caserne de Bristol. Le sabotage de l'alimentation et des extincteurs automatiques sur les lieux indique une origine criminelle. Vous voudrez peut-être aller voir sur les lieux. D'accord. Donc, quelle quête peut-on faire ? Ouais, ça je la fais en vidéo, ça aussi. On va juste aller voir ça et oh, je le ferai en vidéo encore. Un symbole en feu sur le toit du magasin Gambi. Une balise ou une menace ? Gotham en feu, c'est quoi celui-là ? On va juste faire ces deux-là pour voir un peu le début et ensuite je les ferai en vidéo. C'est juste pour vous montrer ce que un peu le début de ces quêtes là. Central, Falcon 5, émeute dans le quartier de Kingston. Allons-y, let's go. L'héritier du masque, ce serait de. Non, pas Ra's al Ghul. Non. Templier, what the fuck? Tu te souviens certainement de moi, Batman. Azrael. Nous vivons des jours sombres, Batman. La prophétie se réalise. Le feu renaît des cendres d'Arkham City et Gotham brûle avec elle. Qu'est-ce que tu veux? Je peux voir le même feu dans tes yeux. Et avant l'aube, il t'aura consumé. Gotham aura besoin d'un nouveau sauveur, d'un nouveau gardien, d'un nouveau Batman. Je ne suis pas encore hors course. Tu ne peux pas porter ce poids indéfiniment. Je t'étudie depuis longtemps. Tu as un code. Tu refuses de tuer. Alors j'en ferai autant. L'ordre l'avait prédit. L'heure est venue de confier le masque à un autre guerrier. Moi. Si tu prouves que tu es capable, le moment venu, j'y penserai. Mais d'abord, tu dois me montrer que tu en es digne. C'est entendu. Oh, d'accord. Donc c'est juste des batailles comme ça, en fait. Juste ça, d'accord? Ouais, je ferai ça hors vidéo, hein, clairement. Tu es plus fort que je le pensais. Fais-moi signe quand tu seras prêt pour un nouveau défi. Monsieur, j'ai enregistré la performance d'Azrael. Très bien, Alfred. Faites les tests physiologiques habituels. Alors dois-je en conclure que vous l'envisagez pour vous succéder? Nous ne savons pas ce que la nuit nous réserve. Je reste en contact. Ok. Donc j'ai assez pour la nouvelle amélioration. C'est dans tenue normalement. Ouais. Voilà. D'accord.
D'accord. Sur celui-ci maintenant. Quelqu'un a attaqué la caserne de Bristol. Je vais éteindre l'incendie et enquêter pour trouver le responsable. Youhou! Le système incendie n'est plus alimenté en électricité. Je dois le remettre en marche pour éteindre le feu. Si je n'alimente pas le système incendie, le feu va devenir incontrôlable. Oh, encore lui. Firefly. Tu m'as battu une fois, mais ça... C'était déjà longtemps. Gotham va brûler! Ce soir, Gotham brûle! Et toi aussi! C'est ça, Batman! Continue de me poursuivre! Ok, ça c'est fait au moins. Je sens la chaleur. Je vais te brûler bim. Ok. On doit juste le suivre, on dirait. Je vais t'incinérer cette fois. Laisse le feu t'emporter. Ok, on doit juste le suivre. Tu es tout à moi. Non. Dégage. Voilà. Mauvaise texture qui charge, bien entendu. Cette nuit. Et un monde sera entièrement purifié par les flammes. Mais bien sûr. Monsieur, il me semble que nous avons déjà croisé ce charmant pyromane. Firefly. L'épouvantail aurait averti tout le monde que Gotham serait sans défense ce soir. Il est dangereux, Alfred. Surtout restez vigilant. Ok. Donc. Qu'est-ce que je cherche? Je sais pas. Allez, on y va. Je vais à la tour Wayne. Si on parvient à décrypter les protocoles de sécurité du chevalier d'Arkham, on pourra le localiser. S'il pense pouvoir vous échapper, monsieur, il risque une cruelle découverte. Allez. Nous y voilà. Hey, Strange aussi nous faisait des discours comme l'épouvantail. Mais au moins il nous filait à bouffer lui, tu vois. Tada. C'est gentil à vous de passer, monsieur Wayne. Vous n'aviez pas la tenue appropriée pour l'entrée principale. Vous avez terminé le décryptage ? Tout est décodé. J'ai chargé toutes les transmissions radio récentes de la milice et leurs coordonnées correspondantes sur votre machine. Merci, Lucius. Je peux trouver l'empreinte vocale du chevalier d'Arkham
et déterminer l'emplacement de sa dernière transmission en scannant le réseau. Nouveau message suivant. Bruce, c'est ta mère à l'appareil. Je voulais juste te dire que... pardon, excuse-moi, c'est juste... c'est vraiment drôle, tu sais, parce qu'ils sont morts. Bruce, c'est d'accord, on les a tous lus. Je peux aller là. Lucius n'est peut-être pas seul. Entrer en tenue de Batman serait une mauvaise idée. Je me suis toujours dit que la vérité serait décevante, mais je reconnais que se faire passer pour le mondain le plus marquant de Gotham, c'est une sacrée couverture. Les parents morts, c'est la cerise sur le gâteau. Ah, il a fallu que vous gâchiez la surprise. J'espérais le garder au chaud jusqu'à ce qu'il soit fin prêt. Brouilleur nouvelle génération. Il restera quelques réglages à effectuer, mais j'ai pensé que ce prototype vous intéresserait. Oups, c'était pas prévu. Plus tard dans la nuit. Merci Lucius, je risque d'en avoir besoin. L'amélioration du générateur des armes permet de surcharger les armes secondaires de la Batmobile pour une puissance de feu considérable. Ah, ça va vous plaire. Je l'ai programmé moi-même quand j'ai vu ce que vous deviez affronter. Ok, je préfère ça. L'amélioration du générateur des armes... Excellent choix. Je vous prépare ça tout de suite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Je serai là toute la nuit. Ce n'est pas comme si je pouvais quitter la ville de toute façon. Ce jeune imposteur semble étonnamment bien équipé. On dirait que sa tenue est inspirée de l'un de mes anciens designs. Que pensez-vous de la nouvelle voiture, Monsieur Wayne? Ce mode de combat s'avère bien utile, finalement. Ok. Allons-y. Soyez prudent, Monsieur Wayne. Vous savez où vous êtes. La trace du chevalier d'Arkham m'a mené au réseau souterrain de Miagani. Excellente nouvelle, monsieur. Mais je détecte un grand nombre de drones dans la zone. Ce serait de la pure folie de les attaquer sans la Batmobile. Entendu. Dois-je ouvrir l'entrée sud? Attendez que je sois sur place, Alfred. Je ne veux pas gâcher la surprise. La surprise de quoi ? On a un contact violent à la sortie du tunnel. Je suggère extraction immédiate.
un peu de concentration, c'est pas facile à tirer. Batman vient de détruire un Diamondback. Bam. Attention, Alfred, je suis à l'entrée du tunnel. Ouvrez les portes. Juste un instant, monsieur. J'accède au terminal de sécurité du bâtiment. Alfred, il y a une autre porte blindée. J'ai besoin que vous l'ouvriez. Seigneur, je crains qu'ils m'aient expulsé du système. Ils savent que vous êtes là. Ne vous en faites pas, Alfred. Je trouverai un autre moyen. Ok. Ah oui, c'est comme ça, c'était... Avancer sur l'antidote. J'avance. Mais je n'ai pas de nouvelles de Barbara. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Elle travaille sur quelque chose pour moi, c'est vital. Mais elle est en sécurité. Ne t'inquiète pas, Tim. Concentre-toi sur l'antidote. Ok. Donc. Oh, Batou. C'est très joker de ta part. Mais je comprends pourquoi tu lui as rien dit. Après la réaction hystérique qu'a eu ce bon vieux Jim. Ouais, il y en a qu'un. Même, si tu tenais à Barbara autant que ton petit acolyte, peut-être qu'elle n'aurait même pas été kidnappée à la base. Oh, il va pas la fermer. Lui. Ah, ils sont maudits, Batou. Comme toi et moi. Dommage qu'ils soient arrachés l'un à l'autre à cause de ta croisade. Tyrolienne. Barbara a été enlevée. Soyons réalistes, elle est probablement morte. Tu mens au petit prodige amoureux à son sujet, et ce bon vieux Jim est parti en solitaire pour sauver la situation. Bla bla bla, patati. C'est pas vraiment ton jour, Batou. Quelque chose te préoccupe ? Allez, laisse Robin sortir de sa cage. Tu ne peux pas le réduire en esclavage à cause de ton remède. En plus, si tu te fais tuer là-dehors, tu n'auras pas à lui annoncer pour Barbara. C'est tout malin. Allez, tyrolienne. Tu crois vraiment qu'il va régler ton problème de jokerité aiguë? Aucune chance. Je suis chronique aussi. Et je suis récurrent. On sait qu'il n'y a pas de remède pour moi. Tu te rappelles quand tout était simple? C'était le bon vieux temps. Rien que toi, moi et une guerre classique contre le crime. Regarde autour de toi, Batou. Les choses changent. Maintenant, c'est la guerre tout court. Et toi, tu te trouves au bon milieu du conflit. Bien sûr, dans toutes les guerres, il y a des pertes. C'est inévitable, comme la mort. Enfin... Peut-être pas comme la mort. J'ai pu l'esquiver, celle-là. Mais bon, tout le monde n'a pas cette chance. Alors, tyrolienne. Et on y va. Tu te souviens de Talia ? Évidemment. Comment tu pourrais oublier une fille comme ça? Il a suffi d'un petit bout de plomb pour détruire tous tes rêves de bonheur. Tu m'as tenu pour responsable, bien entendu, mais tu as eu tort. C'est toi qui l'as placée dans ma ligne de mire, Batou. Elle n'a rien fait pour arranger ça. C'est vrai, mais c'est ta faute. Tu vois? Les gens te font confiance, ils croient en toi, ils te suivent dans tes croisades, et toi, tu vas tous te faire tuer. J'aurais dû la tuer, c'est à cause d'elle que vous êtes mort.
Allez. C'est mort parce qu'il avait pas bouclé sa ceinture. Oh. Ok. Tu te débarrasseras pas de moi. Flûte. Allez. Alors. C'était pas prévu ça. Dangereux. Fais-moi le malin, hein. Je peux pas régénérer. Flûte. Ah mais non. Bon. C'est pas facile. J'ai déjà assisté à mes propres funérailles une fois, et je devrais tout me retaper depuis le début. Non, sans façon. Au niveau supérieur, attendez. J'ai 2 points. Tenue Batman. Allez, concentration. Voilà le gros. Oula. Allez. On a tous les deux sorti l'artillerie lourde. La seule différence, c'est que... Alors, voyons voir si j'ai bien compris.
Non, c'est pas ça. Oh oui, ça. Et on ouvre la porte. Ce type doit mal te connaître, hein? Tu crois qu'on est coincé ici? Quel genre de futur super méchant croit pouvoir arrêter Batman? Avec une porte et quelques temps? Voilà. Chevalier d'Arkham. Allez. Mais on fera ça dans la prochaine vidéo. J'espère que... retour dans la voiture. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était Dosdel. Pour HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.